Nous sommes le 18 janvier 2018 et il est 18h tout pile les amis. Bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être là. C'est parti pour ce nouveau numéro de 01 Live Hebdo, vous le savez. 01 Live, c'est chaque jeudi soir le débriefing de l'actualité high-tech de la semaine. Jérôme, bonsoir. Salut François et cette semaine de quoi allons-nous parler à votre avis Eh oui, sauf il y a des chances. si vous étiez dans une grotte la semaine dernière, vous savez que tous les regards de geek étaient braqués vers Las Vegas pour le CES 2018. Alors ce soir on reparle du CES. Le meilleur, le pire, nos coups de cœur et nos coups de gueule avec nos spécialistes David Noguera et Adrian Branco. C'est ce soir dans Zéro 1 Live. Est-ce que vous êtes sur Facebook Sans doute. Eh bien, sachez qu'il y a du changement dans votre fil d'actualité. Plus de nouvelles de vos amis et moins de news. Et oui, on sait un petit peu plus ce que font nos potes, mais on a moins de news. Cette modification d'algorithme n'enchante pas tout le monde. On en parlera tout à l'heure avec Noémie Lefebvre-Marek. Ce sera notre Zoom Actu de ce jeudi soir. C'est ton fil d'actu Facebook, ça, ça Avec des pâtes Ça m'étonne pas de toi. Du fromage, des pâtes. <laughs> J'aimerais <bons> <laughs> ouais. bien, ça me va bien, moi. Pas de soucis. Comme chaque semaine le jeudi dans 01 live, nous retrouvons nos amis du labo pour découvrir ce qui va bientôt arriver en test au labo 01net. Alors ce soir, eh bien vous allez découvrir en avant-première une nouvelle console de jeu portable improbable. J'ai le droit de dire improbable Adrien Alors, tu n'as mmh. pas le droit de dire en avant-première parce que d'autres l'ont déjà testé et improbable oui. Improbable, c'est la GDP Win. Et puis sous vos yeux ébahis, David Nogueira va tester un nouveau moyen de transport personnel qui nécessite beaucoup d'adresse et il n'en manque pas. Euh, oui, c'est vrai. <laughs> non, mais parce que j'étais, tout le monde devant est devant impressionné par cette, cette chose-là, cet voilà, appareil ça. du futur que David a testé. Euh, on lui demandera tout à l'heure si ça fait mal. <laughs> <laughs> Excusez-moi, je pas, j'ai pas pu résister. C'est vrai que c'est étrange. Euh, je vous rappelle que nous sommes en direct malgré tout ça et que vous pouvez réagir au contenu de ce 01 Live via euh, YouTube, bien sûr, avec euh, évidemment les commentaires en direct, ou via Twitter avec le hashtag 01 Live. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors on me dit François que c'est pas GDP Win, c'est GPD Win. Oui, c'est pas tout à fait la Mais même chose. C'est pas la GPD. même chose, voilà, pardonnez-moi. Euh, alors vous l'avez entrevu, c'est notre réalisateur qui a voulu faire un léger teasing, j'imagine. <laughs> notre question 01Net Orange de ce jeudi soir, les amis. On va parler du CS de Las Vegas. Alors cette édition 2018 est-elle à la hauteur de vos attentes euh, Dites-le-nous, vous allez sur euh, www01 nettvcom et puis vous cliquez sur le petit sondage hebdomadaire. Donnez-nous votre avis, oui ou non, on fera le point tout à l'heure. Effectivement. Allez, euh, le CES de Las Vegas, nous y étions. Toute l'équipe de 01net.com et 01net TV, bah oui. on vous a fait vivre ce CES eh bien, au jour le jour avec des vidéos sur 01net.com. Une heure de live par jour, les mardis, mercredis, jeudi et vendredi, que vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, en replay. Hein. Il y avait aussi de quoi je me mail. Et là, on vous propose de faire aller on va dire l'épilogue de ce CS 2018 avec euh, nos coups de cœur et nos coups de gueule euh, de chacun. Oui, c'est bien dit, c'est exactement ça. On va on va refermer le dossier mais en beauté. Alors, pour cela, nous accueillons Adrien Branco, salut Adrien. Bonjour. De salut. la rédaction de 01 net et David Noguera, qui était avec nous bien sûr au CS. Hein. Exactement. On en vient bah, Adrien aussi. Adrien aussi, mais vrai. Ouais, sur ouais, les moi ouais, bah ouais. plus dans les dans les couloirs et entre les hôtels, oui. C'est ça, c'est vrai que les couloirs, les hôtels, les burgers, il y a quoi d'autre Les bouchons, vrai les taxis, les, non, mais les, bouchons les taxis. Vrai que, voilà. Pas de réseau aussi, bah, on en a ça. longuement parlé. C'était terrible. terrible cette année. C'est oui. moins ou c'était pire ah non, non, que les non, années précédentes Les réseaux sont plus, beaucoup plus occupés parce que le CES, c'est plus le Consumer électronique show, c'est l'électronique show. C'est-à-dire que vous allez voir, David vous en parlait, l'automobile est omniprésente, il y a toutes les industries, la poste. Il y a cinq ans, vous imaginez être sur le stand de La Poste non Vous imaginez non, euh, avoir tous ces acteurs, avoir euh, ERDF, avoir tout ça, avoir la région euh, Midi-Pyrénées Tous ces gens-là. Il <laughs> y, y a beaucoup de monde, hein, pas, pas loin de, de, de 200 mille visiteurs. Ah non, en fait, plus, en, euh, plus que ça, on est à 250 000. 250 000. Chacun, évidemment, c'est des geeks, donc ils ont un, deux, trois téléphones plus des ordis euh, connectés. Et en plus, il y a tous les exposants. Et en plus sur les stands, il y a des objets connectés qui se connectent à Internet. Bref, les réseaux euh, une infrastructure américaine la donc merdique. Donc, si. merdique. Bon, vous bien. savez quoi finalement, le mieux, le, le mieux, le mieux, c'est de le suivre sur 01net.com et 01nettv.com ce CES. Hein. Ouais. Vous avez que les avantages et aucun des inconvénients qu'on vient de vous citer. C'est vrai. Euh, vrai. vrai, il faut le noter, c'est un peu comme un match de foot finalement. Hein ouais, ouais. On a les replays parfois, à la télé. Parfois, t'es es mieux peinard télépée. avec ta pizza dans ton canapé que dans le stade, ouais. que dans le stade alors que t'es loin, tu vois mal les écrans, etc. Ça fait froid. Il fait froid en plus. David Et il n'y a pas de oui. réseau. On va commencer par tes coups de cœur du CES. Alors, toi, ah. as, ta spécialité, c'est la voiture Exactement. connectée. Est-ce que ouais. tu en as eu pour ton argent euh, de Cette ton année, oui, carrément. Vraiment. On a vraiment vu de, plein plein de choses. Alors, c'était crescendo depuis quelques années. Mais là, cette année, on a vraiment vu pas mal de choses se concrétiser. Et on va commencer avec une techno de chez Valeo qui, visiblement, a plu pas mal. Parce que, retour sur Paris, on a vu qu'il y a eu pas mal d'interactions sur, sur cette vidéo. Cet article, c'est la techno Valeo Extra View. C'est la techno qui, grosso modo, Permet de supprimer la voiture qui est devant. Ah, ça, est Alors, ce n'est pas évident à, à expliquer. En fait, il faut considérer que Valeo, étant équipementier et donc livre, livre des caméras à, à tous les constructeurs automobiles, eh bien, ils se sont dit ok, bah, de, les caméras à l'avant, il y en aura de plus en plus. On va profiter de la 5G lorsqu'elle arrivera, parce que c'est quand même conditionnel à l'arrivée de la 5G. Là, on mm -hmm. est sur une, sur une communication Wi-Fi et donc elle capte l'image du véhicule qui est devant et la retranscrit un autre véhicule en l'occurrence la renvoie vers cet écran qu'on voit ici au centre de la planche de bord sur banc. le véhicule A et image sur le dans le de, véhicule B exactement en et en fait. du coup on voit que bah, on arrive à voir ce qui est devant, ah, alors là c'est vrai que... que je pensais que c'était sur l'écran, c'est directement affiché comme ça c'est oui, affiché ça comme ça sur. sur... alors l'intégration après <laughs> elle prendra euh, différentes formes, ah, on oui. peut même l'imaginer dans un, dans un autre rétroviseur parce qu'il va y avoir des rétroviseurs euh, numériques qui arrivent, ça aussi on va s'en reparler euh, durant l'année et euh, donc on peut imaginer pas mal de choses, ce qui est pas mal surtout eh c'est quand on est sur ces circulations sur ces routes à double sens et qu'on veut doubler son semi-remorque euh, qui est à, qu est à 70 et, et à nous fait. on veut le doubler, on se dit toujours est-ce qu'il y a une voiture qui arrive, arrive, arrive pas, et en fait, eh ben là, on peut voir ouais. devant le Smirmor. Donc, une belle techno qui, en plus, pourrait profiter vraiment, encore, moyennant l'arrivée de cette 5G, parce qu'il faudra vraiment qu'il n'y ait pas de latence. Pour avoir un retour ultra. Il ouais, ne faut pas que ce soit piraté. Il ne faut pas qu'on voit une image de route libre alors qu'en en fait. Y a évidemment, un... euh, <laughs> il ne faudra pas qu'il y ait ce genre de choses. Maintenant, je pense que ça va commencer à devenir un peu. Un peu bon, c'est comme toutes les technos, c'est piratable, j'imagine. Bon, après, on peut faire confiance à Valeo. Ça sans, rappelle sans un peu David la... de ce que Samsung avait fait. Avec ses écrans, exactement. Les écrans sur euh, sur des écrans ab... sur des poids lourds. Voilà, avec ses... ah. ils avaient un mur d'écran qui affichait ce que ouais. le poids lourd captait à l'avant. Et donc, quand on arrivait à l'arrière de ce poids lourd, on voyait, on voyait effectivement l'avant. Là, c'est vraiment. Euh, c'est une techno qui est intéressante parce que. Que vraiment tous les véhicules ont des caméras à l'avant pour des manœuvres. Enfin, j'exagère un petit peu évidemment et ça, ça arrive petit à petit de manière massive, mais pour ces manœuvres, on voit les voitures parfois euh, dans les manœuvres de parking qui ont cette vision à 360 degrés, bah, Ils pourraient tout à fait utiliser cette, cette caméra dans cette optique là. Valéo, Extra ça. View Exactement. Autre innovation Autre innovation, eh ben en fait pour moi c'est cette fois-ci plus global pour moi ce CES ça a été euh, l'année de l'auto, c'est vraiment le, le nouveau euh, salon de l'automobile euh, donc avec plein plein de choses et des systèmes d'infodivertissement qui commencent à être Vraiment pas mal, on a vu de très très belles choses chez euh, Arman Samsung, puisqu'on sait que Samsung a acheté Arman avec un, une Maserati, avec une planche de bord qui se rehaussait pour euh, voir, enfin, laisser s'afficher un écran de culette, donc technologie Samsung, mmh. d'une trentaine de pouces de diagonale, format euh, très cinémascope, mais euh, voilà, voilà, avec tout, avec tout, en, largeur, tout enfin. en largeur. Donc là, effectivement, c'est le véhicule. Et voilà, donc là, ce, cet écran, il est de base, wow. assez discret, assez fin. Euh, et il peut s'agrandir lorsqu'on lorsqu lui demande. En fait. Tout simplement, il y a un bouton physique. On clique dessus, l'écran se surélève et on se retrouve avec un très grand écran pour avoir une navigation immense et aussi un côté euh, multimédia sur la partie droite de l'écran. Voilà. Donc mm -hmm. là, je pense qu'on va pas tarder à le voir se relever. 3, 2, 1. Et non, ça va arriver. Il va, il va effectivement se relever. Bon, ces vidéos-là, et donc. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus dans ce véhicule, euh, Samsung a quand même intégré sept euh, écrans QLED. Là, par exemple, le, le, la partie, la les trois compteurs voit voilà, c'est des, des écrans de, de smartwatch, tout simplement. Et du coup, on peut commencer à avoir plein de d'écrans contextuels. C'est-à-dire qu'on mmh. peut aussi bien lancer Bixby que Alexa, <laughs> piloter sa clim, lancer des commandes est, là, un un peu variées. Ouais. voilà. Donc là, on voit effectivement ce, ce grand écran. Donc ça, c'était assez dingue. Euh, Toujours dans les technos, la voiture autonome. L'essai évidemment de Navia euh, autonome cab dans les rues de Los Angeles, de, mmh. de Vegas, pardon. Toi, tu as fait Lyft ouais. euh, aussi. Donc cette tendance du donc véhicule ça, toi, autonome. c'est une navette autonome. Hein Moi, c'est une navette, effectivement, française, Navia. française, tout à fait, sans chauffeur, hein, sans chauffeur, sans volant, sans pédale. Donc, euh, donc euh, là, évidemment, la, la tendance du véhicule autonome. Et euh, peut-être pour terminer, un truc sur lequel je suis un petit peu plus douteux, c'est L'arrivée de ces constructeurs chinois dans l'automobile à Vegas, qui arrivent euh, en se disant euh, <laughs> voilà, ils, on arrive, on arrive en Europe, 2020, on, 2020, on sera là. On va arriver par l'Allemagne, on va créer des bureaux à Munich, on, nos centres de R&D sont là. Je pense que l'Allemagne est, est un choix euh, bien fait. Alors là, et très rapidement, Nissan Concept IMX, c'est le, le concept de, de, du véhicule autonome selon Nissan, avec une intelligence artificielle. Très rapidement pour terminer. Donc, Magnifique. le côté byton, ce euh, véhicule euh, avec ses écrans partout, des capteurs aussi partout. Et moi, j'ai juste un petit doute, c'est qu'il y avait d'autres constructeurs chinois qui ont fait leur apparition en 2016, ouais, 2017, et qu'on n'a jamais, qu jamais revu. Faraday mmh. Future, le echo etc. Voilà. Donc attention à l'Intox aussi, qui ouais, présente on aussi a fait fait une vidéo. Zegaz. Voilà. Belle transition, justement, avec Adrien qui va nous parler de ses coups de cœur, de ses de gueule de ce CES de Las Vegas. Je sais même plus ce que j'ai dit. <laughs> je sais pas, il y avait la French Tech. Euh, Alors, ah ouais, ça, c'est qui... le coup de cœur, coup de gueule de la French Tech. Voilà. Alors, ça, ça va être le coup ambivalent. Euh, quand euh, je, je commence à faire euh, avec euh, mon, mon camarade Thomas, où on a écumé un peu les différentes allées des différents endroits, on voit le le, le Park, pour ceux qui ne savent pas, le Reka Park c'est une partie du Venetian Sands, donc c'est pas sur le centre des expos mais sur un peu une espèce d'excroissance qui est sur un grand hôtel, et Là, je vois des régions françaises présentes, mais des régions, quoi. Ouais, il y a les le régions et les côte gros... d'Azur. Voilà, les Hauts-de-France et tout centre, ça. Les Hauts-de-France et ça. Tu... Je suis français, né en France. C'était le mais pas en fait, non et, pas, pas tout à fait. Donc, la French Tech, on la voit, là. Euh... comment on bombe le torse quand on ouais. se balade dans ces Alors Alors, non, justement, il faut savoir qu'en tant ah. que journaliste. Ça avait de la gueule. Journaliste 01-net. Oui. Euh, et, et, et Thomas rémi Luré avait vraiment la bonne astuce. Et on prend le badge et on le retourne. Ah, retourne, oui, il faut le retourner. 01-net, c'était trois secondes avant de se faire la je ne ouais. pas voir mon truc. Et mon coup de cœur, c'est, c'est génial de voir la deuxième délégation non asiatique du CES. C'est la France derrière les États-Unis à 10 boîtes près. Il mm -hmm. faut quand même euh, faire attention. C'est des champions énormes américains. C'est Nvidia, c'est Intel, c'est Qualcomm. Chez nous, on a quand même des plus petits champions. Euh, ça, c'est super sympa. Il y a des, des innovations en termes d'intelligence artificielle. Hein. J'ai fait un petit sujet avec Thomas sur euh, l'intelligence artificielle de 22. Mais il y avait quand même beaucoup de tout petites idées un peu foireuses et j'aurais aimé peut-être que les régions fassent ouais. un peu plus le tri avant de financer le départ de la PME du beau-frère qui était euh, au conseil régional. Ouais, ça faisait un peu trop foire de Paris. On est au CES, euh, il y a beaucoup de bruit, c'est un bruit technologique euh, constant. Donc il y avait des trucs super où je me suis dit Cocorico hein, sur le stand de HTC Vive. Il y avait quand même une boîte française qui a présenté un système euh, d'opération en réalité virtuelle. Mmh. Coco Rico. Mais quand on allait dans les allées où c'était pur French Tech, il y avait du tri à faire. Moi, mon, mon, mon coup de cœur, c'est, euh, je sais pas si vous vous rappelez, vous, vous rappelez hein, le début de la French Tech Finalement, c'est les objets connectés. Oui, hein, c'est tous ces ingénieurs, oui. ces, ces anciens sages qui ont monté des boîtes. Alors il y en a eu des plus ou moins, euh, qui ont eu plus ou moins de succès. On parle de Weezings, hein, bien sûr. Euh, Rappelez-vous quand euh, à la fin d'un CES, je crois 2013, on s'est dit, waouh, on a parlé de la brosse à dents connectée. <laughs> J'étais déprimé <laughs> parce qu'en tant que geek, la brosse à dents connectée, c'est sympa, mais ça change pas nos vies. Et là, ouais. j'ai vu un retour. Enfin, t'avais pas encore vu la fourchette connectée. Non, mais y avait... <laughs> non, non, si, exact, pardon, il y avait la brosse à dents et la fourchette connectée. Attends, ça mais... aussi, ça avait été quand non, même... Non, mais c'est très sympa, c'est très, très sympa, mais rappelez-vous, ouais. c'était des stars de salon, les Américains euh... étaient sur les stands. Bah, c'était insolite. Voilà, et le problème, c'était que l'insolite faisait l'innovation, là, ce qui a vraiment fait l'innovation, il y a l'automobile et il y a les constructeurs de puces qui sont revenus en force, nous présenter euh, chez Qualcomm le futur de la 5G, chez Nvidia, euh, c est, c est, cette puce Hyper puissante qu'ils veulent transformer en cerveau pour l'intelligence artificielle de l'automobile vous avez vous avez vu Intel qui a dit rationnel les cartes graphiques on n'est pas très fort on va faire la, appel à notre ennemi juré AMD pour faire une première mondiale un processeur commun partie normal partie graphique mmh. alors vous qui êtes pas geek c'est peut-être pas important mmh. mais ça va motoriser T'es ton futur ordinateur, il aura le même format et il va être capable de jouer. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu le CES de, du consensus et de la, de la concorde avec des convergences comme ça. Oui, parce qu'il y a une épine dorsale qu'on attend. Ouais. Vous aurez un, un papier pour ce week-end, un papier un peu mag. Tout le monde attend la 5G. Justement, la 5G va, nous va poser la, question la 5G. 5G va être l'activateur. Alors on parle, le cheval de 3, dans le papier, c'est pour ça que je me rappelle de la formulation, le cheval de 3 c'est la voiture, on va vous vendre la voiture connectée, autonome et tout ça. Sans la 5G, ça marche pas, mais c'est le cheval de 3 de l'arrivée de l'IA partout dans, dans la ville, la ville connectée, et tous les services ont besoin de la 5G. Jérôme, magnifique. tu avais des coups de cœur toi aussi Je crois. Oui, bon, écoutez, moi j'ai un coup de cœur, mais on est au CES, il ne faut pas attends, oublier. Non, mais regardez, aime... regardez, regardez, ça, ça c'est magnifique, c'est magnifique, c'est un processeur R Intel avec une partie graphique AMD, ça n'existe pas bon, dans Adri Adrien, avec les puces, là, il va falloir. C'est un... <laughs> comme, comme, comme Sega et Nintendo, ça ne devrait pas, et bien, si ça s'est fait, c'est magnifique. Oui, ça se marie, oui. Ouais, voilà, ça c'est une puce, ça c'est une première mondiale. Non, mais c'est bien de, de effectivement de le signaler, de, de revenir aux, aux, aux fondamentaux. Tout à fait. Oui, euh, moi mon coup de cœur c'est de la télé. C'est tout bête, mais quand même c'est un classique du CES et c'est notamment la télé souple de LG. Alors qui n'était pas vraiment exposée en réalité, elle était cachée euh, dans un voilà dans un, une, une dark room. Euh, et c'est quoi C'est un téléviseur OLED, un écran LED, donc tellement fin qu'il est souple et vous le voyez, il se déroule. Alors euh, en fait pourquoi c'est vraiment mon coup de cœur mon coup de cœur, c'est que au début, j'ai pas forcément perçu l'intérêt. Et puis après, avec le recul, je me dis, mais bah, en fait, si, c'est malin. C'est-à-dire que ce truc-là, tu n'es pas obligé d'avoir ce grand écran qui prend toute la place sur un mur. Tu peux mettre des tableaux au mur, enfin n'importe quoi, décorer ton mur. Tu as quand même le, le bloc hein, qui est imposant et tu fais apparaître ta télé quand tu en as besoin. C'est pas mal. C'est quand même assez sympa. Tiens, moi, toujours dans la télé, j'ai un truc aussi assez sympa. Euh, la, la grosse tendance, tu sais qu'il y avait pas mal de, de constructeurs chinois en matière de télé, et notamment des constructeurs chinois qu'on ne connaît pas très bien en France, style TCL ou même iSense. iSense, il faut le savoir, c'est le premier constructeur de télé en Chine. Donc c'est vraiment... Un petit marché. Un, un petit marché, quoi. C'est un Maoose costaud. Et donc iSense, ils sont dit, ok les gars, ça suffit, on va quand même arriver, essayer d'arriver en France. Alors ils viennent évidemment avec toute une gamme de télé, avec un très bon rapport qualité-prix, mais ils viennent surtout avec ça. Ça, c'est un projecteur laser 4K à courte focale. Ce n'est pas, pro... pas le premier qu'on voit, ce n'est pas le dernier. Euh, L'avantage, c'est son prix. C'est qu'on va avoir de la 4K et un écran de 80 pouces pour 2500 euros. Ah ouais, c'est bien. Bon, c'est le pas très prix beau, du... hein. Alors, Mais tu sais, ouais. ces trucs-là, en général, c'est pas très beau. Hein. Mais, euh... Et je trouve plutôt malin de la part de Hisense de se dire OK, tout le monde va se battre sur les télés. Moi, j'arrive avec les projecteurs 4K courte focale à des prix défiant toute concurrence. Ça, ça, va là, hein. ça va être la concurrence, par contre, ça de ces prochains mois. Ouais, ouais. Parce il voilà. y a du LG, il y a du Sony. Oui, en oui, oui. mais à, ce, à cette gamme de prix-là, à mon avis, il n'y en a pas euh, beaucoup. Je, 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 2500 euros, 80 pouces 4K. C est, c est le, le, la version... bah, en fait, maintenant, on va commencer à y avoir du, du, du 4K plus tradit à partir de 1500-1600. Et effectivement, ce n'est pas du rétro-projeté, c'est de la projection classique et c'est avec des techno de simulation 4K. C'est-à-dire que c'est des trucs qui utilisent la persistance, technologie de vobulation, donc ce n'est pas du 4K natif. Et ce n'est pas de la courte focale. Et ce n'est pas de la courte focale. Donc voilà, peut-être que Sémanin va peut-être arriver à tirer son épingle du jeu de cette Coupe du Monde de foot. Notons aussi qu'ils sont partenaires de la Coupe du Monde, donc franchement, ils vont mettre le paquet avec ce type d'appareil qui va arriver en France d'ici le printemps prochain. Voilà, vous en mettrez deux. Parfait. Moi, j'aimerais bien, sincèrement. Ouais. Tu avais encore un petit coup de cœur Allez, un petit coup de cœur rapide. C'est un drone, mais un drone personnel qui peut vous transporter. C'est un petit hélicoptère à 18 hélices. C'est le Volocoptère. Euh, ça fait deux ans qu'on a vu ça. apparaître Ça, des... c'est méga la classe, quand même. Vogue à volo. Voilà, donc ça, c'est le film publicitaire. Il hein. était... Alors, il faut être beau, il faut être riche, il faut être jeune. Il faut avoir l'appli qui va bien. Et en 2025, tu commanderas ton drone comme tu appelles un VTC aujourd'hui. Et voilà, tu montes, il n'y a pas de pilote, tout est autopiloté, c'est à Dubaï. Ils ont fait, euh, ils ont fait des tests. C'est allemand ce truc-là, c'est euh, européen. De, il hein. devait y avoir du Mercedes même derrière, parce qu'il était sur le stand de Mercedes euh, à, à Francfort. Et là, on a vu une Mercedes dans la petite... Ce pas vidéo, le seul, je... il y en avait quelques-uns, ouais. j'en ai, ai vu un ou deux autres, mais celui-là est quand même euh, assez sympa. Bon, euh, c'est pas sûr qu'on voit ça en masse hein, dans les années à venir, mais en tout cas, c'est vraiment insolite et sympa. Enfin, on parle de voitures volantes, ça, ça fait quoi Ça fait 50 ans qu'on rêve tous de de ce ouais. type de transport. Enfin, c'est pas vraiment une voit voiture, a... elle roule pas, mais c'est un... Moi, je préfère... Oui, c'est le projet d'Airbus aussi. Euh, oui, y a un mais, ouais, un il y a aussi le projet d'Airbus, ouais. Euh, petit coup de cœur aussi. Alors bon, peut-être que finalement ça sortira jamais des labos, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça assez impressionnant. C'est le concept WeCharge. Charge. C'est le fait de pouvoir recharger euh, nos appareils électroniques, c'est-à-dire nos smartphones, nos tablettes, pourquoi pas nos, nos ordis, sans fil vraiment. Ça, mais quand vraiment je dis sans fil, c'est même pas de l'induction. C'est-à-dire que le petit projecteur, tu vois, qui est accroché au mur, envoie en même temps que de la lumière euh, une technologie infrarouge qui diffuse de l'énergie. Et tu vois les petits trains là qui tournent, mm -hmm. eh bien, fonctionnent en captant l'énergie qui est en haut sur cette petite euh, ce petit lampadaire et d'ailleurs si, euh, je ne sais pas si on va le voir durant la démo mais à un moment il y a, il y a un gars qui pose la main sur le, sur le train donc là il a la main qui brûle donc non il n'a même pas la main qui brûle est il va masquer le capteur euh, du train Eh bien le il train s'arrête oui. alors elle est, elle est assez euh, impressionnante. Voilà, tu ouais, vois là, on, oui. on le voit à l'instant. Hop, il met sa main devant. Alors, le train, c'est peut-être pas la killer app, hein, mais par Non, contre, mais c'est vrai, c'est assez visuel. Pour recharger son mobile, c'est bien. Quoi. Mais alors voilà, l'idée, c'est que si on arrive à implémenter cette puce dans les smartphones, il suffira d'avoir accroché au plafond ce type d'engin, et vous poserez votre, votre téléphone dans un rayon de 5 mètres tout autour de la, de, du système, et il se rechargera automatiquement. Voilà. Bon, Peut-être a... qu'on aura ça demain dans les bureaux, dans les maisons, dans notre salon. Euh, vos potes anti-ondes vont apprécier. C'est de l'infrarouge. Oui, c'est de l'infrarouge. Et Mais le a... GAD, c'est une boîte c'est startup israélienne qui m'a vendu ce truc-là, entre guillemets. Et franchement, moi j'étais assez bluffé. Ouais. Ils m'ont dit qu'ils avaient passé tous les tests de la FCC. Et que ça n'était pas du tout dangereux, que ça avait été validé, et que maintenant, ils cherchaient des partenaires industriels. Ouais, par contre, l'efficacité les, les, n'est peut-être pas top ici. pense que l'efficacité énergétique, effectivement, oui. Alors, avec une, une source A, tu as, as, as 100 unités d'énergie, tu les mets. Tu, tu les fais diffuser ouais. et là, je pense qu'il y a de la perte. Je demande à de voir. Mais c'est clair, bien sûr. Euh, d'ailleurs. Est... Oui, mais l'avantage, c'est qu'étant donné que ton téléphone sera tout le temps en recharge, dans ce cas précis, n'est pas moins. grave, même s'il si, ouais. euh, recharge à, à une vitesse qui n'est pas très élevée. Parce que finalement, si demain, on a ce type d'appareil partout, dans la maison et au bureau... Le téléphone sera pourtant mmh. presque plein. Finalement. Non mais c'est séduisant. Hein. On verra, on va suivre ça de près. Voilà, il y avait plein d'autres choses évidemment au CES de Las Vegas. Donc euh, pour en savoir plus, une seule adresse, www.01net.com, pour tous les articles et toutes les vidéos du CES. Euh, et puis on va tourner la page et on va passer à Facebook, François. Oui, Facebook qui euh, change un petit peu sa présentation. Peut-être l'avez-vous remarqué, c'est Noémie Lefebvre, Marek, qui a mené l'enquête et c'est notre Zoom Actu dans une seconde. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours réagir via le hashtag #01live sur Twitter et sur YouTube. On vous remercie à vous qui nous regardez sur YouTube actuellement. On vous fait un petit coucou. Merci d'être là et sur Facebook Live aussi, hein, puisque ouais. euh, ce zéro Live est retransmis sur Facebook. Live. On a Lucien sur Twitter qui nous dit qu'on aura peut-être ton système de recharge dans les nouveaux iPhones. Euh, oui, on l'espère, mais à mon avis, ce ne sera pas dans le prochain modèle. Hein. Oui, mais encore faut-il que voilà tous ces constructeurs, les Samsung, les Apple, euh, achètent Adoptent cette technologie ce et puis l'intègrent. Hein, on verra bien. <laughs> Salut Noémie. Salut. <laughs> Bonjour Noémie. Vous allez bien Bien, très bien. Et toi bah, C'est cool. Noémie, c'est notre chroniqueuse Zoom Actu du jeudi. Qui se penche sur un sujet d'actu. Et cette semaine, Noémie, c'est Facebook qui retient toute notre attention. Facebook qui change ses règles. Et le monde des réseaux sociaux est en émoi. Exactement. Vendredi dernier, le 12 janvier, Mark Zuckerberg a annoncé par, euh, eh ben, par le biais d'un post Facebook, tout simplement, un changement de règles pour les, les, les médias, pour les entreprises, pour les, euh, les modes d'utilisation de Facebook. C'est une nouvelle stratégie et c'est un revirement philosophique, on va dire, de, de Facebook. Philosophique Oui. Vous allez, vo vous allez comprendre pourquoi. L'idée, en fait, euh, annoncée par Mark Zuckerberg, est de diminuer la portée des contenus postés par les pages Facebook, donc celles des médias, des entreprises, des institutions euh, publiques, et de mettre en avant les publications de ses amis. Mark Zuckerberg le dit, il veut que ces 2 milliards d'utilisateurs passent plus de temps entre eux, d'une certaine manière, et euh, afin de coller mieux à la promesse euh, et au slogan de Facebook, qui est, je vous rappelle, ensemble, <coughs> rapprocher le monde. Donc ça implique, en fait, que euh, les. Euh, les pages, les des marques euh, et, et celles aussi des médias vont mmh. beaucoup moins remonter dans euh, nos euh, fils d'actualité. Euh, euh, Mark Zuckerberg dit récemment, nous avons reçu des signaux de notre communauté qui montrent que les contenus publics rendent moins visibles les moments personnels qui contribuent pourtant à nous connecter. Donc cela agite beaucoup la sphère de l'économie euh, digitale, car aujourd'hui, vous le savez, beaucoup, beaucoup d'entreprises, de médias s'appuient sur les réseaux sociaux eh oui, et notamment évidemment. sur Facebook pour, bah, pour faire du travail et donc faire du revenu. Donc il y en a qui sont très inquiets, certains même s'inquiètent de ce nouveau métier qui a émergé ces dernières années, qui est celui de community, de community manager. Pas facile, hein. C'est ce, ce, pas ce, facile. Ce, Mais euh, je, je, je pense non, non, sorti. non, il est bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette stratégie, Noémie, en fait Eh bien, on a le sentiment que euh, Mark Zuckerberg cherche, cherche à, se, euh, à se dégager d'un certain nombre de problématiques. Alors, la première, première d'entre elles, c'est les bulles de filtre. Les bulles de filtre, c'est quoi C'est, ça a été beaucoup critiqué ces dernières années. C'est ces, ces espèces de bulles dans lesquelles on aurait tendance à s'enfermer sur Facebook, en éliminant petit à petit un certain nombre de publications avec le on n'est pas d'accord en éliminant des amis qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous on s'enferme dans des bulles d'opinions et ces bulles d'opinions et bien c'est ce qui aurait favorisé aussi c'est ce qui favorise la diffusion de fausses informations ces oui. fameuses fake news qui auraient eu euh, notamment euh, pour conséquence de voir l'élection de Donald Trump euh, aux États-Unis en 2016 donc on a bien l'impression que Facebook étant au centre de cette euh, polémique sur les euh, face, sur les euh, fake news on a bien le sentiment que Mark Zuckerberg cherche finalement à se déresponsabiliser de ça. Deuxième chose, en termes d'usage, c'est la concurrence. Euh, depuis ces dernières années, les, euh, les gens... Euh, les amis, on a plutôt tendance à se parler de plus en plus sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, comme Snapchat, surtout pour les jeunes, et sur les messageries euh, comme WhatsApp, par exemple, et en finalement en éliminant euh, dans, dans leurs algorithmes la possibilité de faire remonter les médias et les entreprises et donc de se parler plus entre nous, et bien bah, finalement Facebook, on a l'impression qu'ils veulent revenir dans le jeu, revenir sur le podium des euh, réseaux oui. sociaux sur lesquels on, on, discute, on discute entre nous. Et qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ça eh ben, C'est qu'en parlant plus de nous, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On partage, on donne plus d'informations sur nous-mêmes, ces fameuses données personnelles qui sont aujourd'hui, on le valeur, sait, l'or blanc des GAFA. Et on parle de la pub, forcément. Et on parle de la pub, c'est le dernier point et c'est le plus important. Euh, la publicité, en réalité, euh, si les marques, là je vais vous poser une petite colle, si oui. les entreprises. Pourquoi vous rigolez Jérôme ah, Non non, non, non pas, je... du tout, pas du tout pas du tout. Je crois que David lui a raconté une blague. Très bien. Non non regardez les commentaires. Ah très bien. N'en euh... ah, voilà. parlons est pas. C'est sur sujet donc on en parle okay. pas. Ok. Et mmh. donc si si, euh, si les, les entreprises et si les médias ne remontent plus dans les fils d'actu, oui. Vous imaginez bien qu'ils vont pas se laisser faire. Comment ben est-ce qu'ils vont faire pour rester présents euh, sur les euh, sur les fils d'actualité bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont devoir payer payer pour être plus présent et remonter ouais. encore plus. Et ce euh, programme de, de euh, ciblage publicitaire de Facebook, c'est celui qui, en fait, c'est quasiment 100% hein, des revenus de Facebook. Et ces revenus publicitaires ont atteint, en dernier trimestre 2017, plus de 10 milliards d'euros. Cette courbe de revenus publicitaires, cette courbe des revenus de Facebook, qui ne cesse d'augmenter, qui est exponentielle et qui, eh ben, là, on, on pense bien que ça va continuer comme ça, évidemment. Ouais, donc c'est peut-être pas si innocent et aussi moral et si philosophique que si ça. C'est hein, si joli aussi... que ça, ouais, exactement si que ça, ouais. Merci beaucoup Némi. Merci à vous. Passionnant tout ça. Et on revient dans un instant pour la suite et la fin de César en la Avec le labo qui est là, bien, ce seront toujours les mêmes Adrien et David. à tout de suite. Et avant le labo, un petit coup d'œil sur la question Zornet Orange, Jérôme. Yes, la question du jour, le petit sondage hebdomadaire, ça concernait le CES. Ce CES était-il à la hauteur de vos attentes Regardez cette magnifique présentation et mise en abîme que nous fait, euh, que nous fait Thomas. Euh, réponse à oui, à 59%. C'est assez partagé quand même, hein. 60-40, grosso modo. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter sur 01nettv.com le retour donc du labo avec David et Adrien. Adrien, on va commencer par toi tiens, avec un tu tiens entre les mains un petit appareil euh, qui est à la fois un PC une console de jeu. Un Nokia Communicator J'adore ton te teasing parce que je ne vais pas parler de ça d'abord. Je vais vous parler de deux appareils photo. Allez, pop vous, vous Alors je voulais juste vous dire que j'ai testé ça et que je teste, euh, vous le savez peut-être, les, les appareils photo majoritairement euh, au labo. Absolument. Et que je suis vraiment enthousiaste pour ces deux appareils. Le premier c'est le Panasonic Lumix G9. Pourquoi Parce que euh, vous savez, les hybrides qui ont remplacé les réflexes. Ouais. Le premier à en avoir sorti un, c'est Panasonic. Mm -hmm. Et quand je vois le premier que j'ai acheté sur eBay, merci mon chef qui M'a permis de l'acheter et dont je vous parlerai très bientôt pour les 10 ans des hybrides Panasonic. On voit que Panasonic est devenu une marque photo c'est-à-dire l'ergonomie, les, les photos, les performances sont extra. Ah, le rapport qualité-prix est dingue. Et on, on voit que la culture, ça prend du temps, mais que cette marque a réussi. Et les résultats sont assez surprenants. Et pour moi, ça sera sans doute un de mes coups de cœur de début d'année. Deuxième coup de cœur aussi, l'Alpha 7R Mark 3. Vous le savez, Sony est le leader mondial des hybrides, euh, notamment en plein format. En plein format, il faut bien savoir que euh, Sony se taille la part du lion face à Nikon, qui n'est plus que la, deux, la troisième marque. Wow. Avant, c'était la, la bataille Canon Nikon, maintenant c'est... Canon, Sony. C'est incroyable. Le et l'A7R Mark II, c'est 42 millions de pixels, ça. Hein. L'A7R Mark II, qui était bien, mais qui était un peu mou du genou, qui n'était pas parfaitement construit et tout ça. Sony, qui, comme Panasonic, qui n'est pas une marque photo à la base, apprend. Et euh, c'est plus que remarquable. Sur certains trucs, c'est même spectaculaire. Alors ça, ça sera dans les semaines qui viennent. C'est vraiment les deux tests coup de cœur Donc de ce les fabricants début historiques sont en train de se faire dépasser. Oui, et, et ils l'ont reconnu. Et ils l'ont reconnu. D'abord, Nikon a annoncé que cette année, ils annonceraient un hybride plein format et Canon a reconnu par la voix de son chairman photo que oui nous avons été en panne d'innovation. Eh bah. et bien euh, la preuve c'est que les deux appareils qui sont vraiment super sexy début 2008 sont signés Pana et Sony. Oui tu parlais donc de ce que bon, j'avais dans les mains à la petite console. <laughs> oui alors bon alors non ce n'est pas une excuse c'était très gentil de, de, me, de me brosser le poil ce n'est pas une excuse. J'ai pas dit excuse j'ai dit non, 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 avant première. Euh, alors pas du tout parce que c'est sorti depuis un an c'est sorti depuis un an et on nous avons ah, des confrères. Ouais, c'est sorti dans plus. le commerce. Alors uniquement en commande, hein, en ah commande ouais. en ligne, par des importateurs. Moi quand je, je dis en première, c'est pour dire aux gens, vous regardez, vous voyez sur 01Net des choses ah. qui ne sont pas encore commercialisées. Alors, elle, elle s'est commercialisée effectivement uniquement via bah, Gearbest. Hein. Euh, D'ailleurs, faut... nous avons demandé, nous avons un partenariat, ils nous l'ont envoyé pour test, et oui, on le renvoie si vous posez la question. Euh, oui, donc ça, ça je ne voulais pas en parler au tout début d'année dernière, bah, je me suis dit, mais c'est foireux, c'est une marque chinoise qu'on ne connaît pas. Mmh. La marque chinoise qu'on ne connaît pas, elle a entre-temps sorti euh, un PC 7 pouces ultra portable. Elle annonce ses plans pour la GPD-2, le test euh, est... Actuellement en ligne, donc c'est la GPD Win 1. Je l'appelle comme ça parce que la 2 Attends, est actuellement en Kickstarter. Pourquoi on qui start. De Switch, Eh bien, parce que, voilà, la switch, euh, la switch est le moyen de jouer en mobilité à des jeux vraiment euh, bien plus beaux que ceux de, de la Nintendo, euh, des, des DS, 3DS classiques. Là, je joue à des jeux PC. Ah ouais. Toute la ludothèque que vous avez accumulée sur Google Games, sur Steam, sur toutes ces plateformes de distribution numérique, on peut jouer à tout. Et là, là c'est un Windows 10. Windows ah, ouais, alors là, ah. c'est Windows 10. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais le montrer. Je vais mettre à côté de moi. Derrière toi, peut-être. Ah, non, ils l'ont. Ouais. Alors, là, ce que vous voyez tourner, c'est un, un émulateur. Hein, c'est euh, Final Fantasy X de la PlayStation 2 qui tourne à ravir dessus. Évidemment, tu as payé toutes les roms qui sont sur Alors, je Alors, je suis, <laughs> je suis, je suis détenteur d'un ah, DVD original ça de Final Fantasy X. Et là, vous voyez, je suis sous Windows avec un émulateur. Et oui, ça fait tourner des jeux. En 3D il va falloir être modeste, très modeste. Il va falloir se tourner vers les vieux jeux, des jeux qui n'ont pas un moteur 3D très exigeant. Ouais. Mais j'ai pu jouer à pas mal de jeux. J'ai pu jouer à, à Assassin's Creed. Call of Duty, Creed. ça va être compliqué quoi. Le, les premiers oui, voilà, les premiers, vous pouvez... le premier. Mais le truc qui est incroyable, c'est que c'est un PC avec un Atome, 4Go de RAM, 64Go de stockage. J'ai mis 256 de micro SD. Tu as, as un booking à faire en ligne d'un avion, mais c'est un vrai Windows. Hein. Donc tu vas sur euh, travel, je sais pas trop quoi, tu, tu, ah oui. tu boucles. Tu récupères lors d'une conférence de presse euh, une clé USB, tu vas pouvoir la vider dessus. Tu mets ta musique, tu peux l'écouter en mobilité. Tu as peux jouer à tous tes enfin, jeux. Pardon. Oui, <laughs> ça, c'est les macos de, de mauvaise foi qui parlent. Mais regardez bien. En, regardez dire. bien oh. en haut. Vous voyez les sticks ici, tout ça, ainsi que. Les derrière. À l'intérieur, il y a les vrais composants d'une Xbox 360. Donc, Windows reconnaît une Xbox 360. Donc, tous les jeux, notamment Steam d'action, les petits jeux 2D, Super Meat Boy, BroForce, mm -hmm. sont reconnus. C'est reconnu comme une console. C'est rigolo ce truc-là. Et il enfin, y, y a une même. 2 fois, qui sort un PC, avec un PC, écran PC, PC, plus grand. Avec un processeur beaucoup plus puissant, un processeur graphique beaucoup plus puissant, plus d'autonomie. parce que là, bon, j'imagine que c'est le chipset euh, Intel d'origine, qui n'est ouais. qu pas très puissant. Mais non. demain, on met une, un petit Nvidia. Alors, je ne sais pas si ça existe, si ça serait possible. Mais euh, on met un vrai. Accélérateur je vous ai montré graphique. un processeur qui intégrait une non, mais puce AMD. Ça, 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 oui, ça serait, ça serait un génial de ouais. assez mais de puissance pour faire tourner des jeux récents là-dessus. Là-dessus, là pour ceux qui connaissent, je fais tourner Skyrim, première édition, à 30 images par seconde, tout à fait jouable. 30-35, c'est tout. À... à part la Switch, c'est le seul moyen de jouer à Skyrim en mobilité. Pas mal. Euh, la prochaine version, euh, ils ont fait des benchmarks et franchement, l'équipe hongkongaise qui s'occupe de GPD est impressionnante de professionnalisme. C'est pas du tout cheap. Combien ça coûte cette chose 320 euros. Oh. Bon, alors la prochaine version coûte Avec 650. Windows, ah oui, oui, il y a la licence, il y a tout. Elle est officielle, elle est activée dès le début. Et c'est ça qui est surprenant. La qualité de finition, le fait qu'il livre en temps et en heure, le fait que, que tout soit de bonne qualité, que les logiciels. GPD est une marque est sérieuse, mmh. le confirme en lançant un deuxième modèle qui, qui va s'appeler GPD Windows, qui va être bien plus puissant. Ils annoncent 70 images par seconde sous Skyrim. Là, on va être ouais, très, très, très sérieux. L'écran ouais. tactile en plus. L'écran est tactile. Oui, oui, non, mais je... c'est oh. pas parfait. Il y a des problèmes ergonomiques, il y a beaucoup de choses. Windows 10 n'est pas fait pour ça non, à la base mais le fait d'avoir une ludothèque que vous avez déjà sur votre pc vous n'êtes la switch vous payez 50 balles les jeux là les jeux vous les avez déjà sur votre pc et vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pas trop cher. On nous demande si ça chauffe, pardon. Oui, là, Alors, pour répondre aux au lecteurs auditeurs, oui, elle chauffe un petit peu. Je n'ai jamais été brûlé. Dessous, il y a un, un petit commutateur pour régler la vitesse euh, du, du ventilateur. Je ne me suis pas brûlé. J'ai pu jouer à Skyrim. Ça fait du bruit. Et par, contre... <laughs> et par contre, euh, pensez à la batterie externe euh, pour pouvoir l'alimenter, parce que vous allez tenir 2h et 3h heures, comme une Switch, je me dirais, euh, euh, quand vous utilisez des jeux très gourmand en 3D. Bon, écoute, tu nous as convaincu Adrien. I... Attention, c'est ces un truc Uber Geek. Oui. Euh, sur bon, les les, les commandes des trucs en Chine, euh, moi je dis attention quand même. Hein. Parfois les délais de livraison. Alors, euh, les délais ah, sont euh... longs. Nous nous nous, nous, nous l'avons demandé. Ils ont mis 2-3 semaines à nous l'envoyer. Ah c'est bien. Euh, voilà. Est-ce est que euh, j ai, j ai connu pire. il existe un modèle où tu peux un mettre euh, intégré la 4G ou pas Alors non, la GPD Win 2, vous avez. Tout, euh, donc Sur le test de la GPD Win 1, j'ai mis le lien vers le Indiegogo de financement, sachant mmh. que c'est un financement de façade. Vous savez que maintenant, les, les financements participatifs, c'est aussi pour... Créer l'émulation ouais, autour. Créer la en fait, elle a déjà été testée par des blogueurs chinois. Elle a été mise de long, large et en travers avec de vrais benchmarks. Et pour avoir vu les benchmarks qu'ils utilisent en référence, ce sont les mêmes. C'est ce que moi j'obtiens sur ce machin-là. C'est très imparfait. Il y a des trucs ergonomiques à dire. Attention, effectivement, lâche en Chine. Mais je suis très excité d'avoir de voir un acteur chinois sortir des trucs de très bonne qualité. Là, moi, j'aurais bien aimé voir Asus ou Alienware se secouer un peu et réinventer le gaming PC en mobilité. Bah, voilà, peut-être qu'on qu a le, le dinosaure de tout ça. Hein. Peut-être que dans quelques années, on aura ça tous dans notre poche. Et vous avez déjà les jeux. Et on a déjà les jeux. David Oui, c'est à moi. Moi, c'est le produit qui est fait pour rouler. Il est là, mais on ne va pas le voir. Alors, pour le coup, c'est le Xiaomi 9Bot Plus. Donc, c'est le Mi 9Bot Plus. C'est vrai que c'est un produit... Alors, c'est un peu... Comment ça s'appelle C'est un chipropod. En fait, c'est le... C'est le gros segway sur lequel avant on avait le, le, le guidon là devant. Bon, bah là, l'idée c'est de le piloter un peu comme un overboard. Donc, on, on se penche vers l'avant pour avancer, on se penche vers l'arrière pour reculer. Et en plus, on a effectivement cette drôle de chose entre les jambes qui permet de l'orienter. Voilà, il suffit de s'incliner de ça gauche stable, à droite. Et en fait, c'est un bras. Moins, et, est alors, effectivement, rassurant. déjà, il est assez stable parce que c'est en cours de test. Hein, donc, euh, j'en je, 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 parlerai un petit peu plus longuement euh, d'ici quelques jours. Mais, mais euh, quelle aisance! Mais, mais qu oui, mais vraiment euh... très très simple à utiliser, l'électronique à l'intérieur oh. est déjà de bonne qualité et euh, de, le de fait d'avoir effectivement cette, euh, cette, euh, ce, cette, ce, ce bras, voilà, je vais l'appeler comme ça, entre les entre, au niveau des jambes, bah, ça permet à la fois de le tenir et finalement de, de, de tourner en ayant toujours cet appui. Donc, euh, plutôt un produit euh, stable et simple à utiliser. Rappelons qu'on appelle David le, le Schumacher des Open Space. C'est ça. <laughs> ça. Ah, allez, enfin, espérons qu'il a un destin un peu Donc, moins, euh, moins augmenté que Schumacher, le pauvre. et euh, Quelque, Quelques données. Alors, ça coûte. Euh, donc, effectivement, ça nous a été aussi envoyé par Gearbest. Donc, effectivement, ça repartira aussi, comme tu le disais, Adrien. Et ça coûte euh, environ 700 euros. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas donné. Il y a des plus grandes roues qui permettent d'avoir des franchissements qui ne sont euh, pas comparables à ce qu'on pouvait avoir avec un donc, l overboard. Donc, l'overboard, c'est sûr, on l'achète, ça reste dans un placard au bout d'un moment, à hum. part pour sa oui, avez... Là, un là peu je pense que peut... c'est un petit peu plus sérieux. Maintenant. Il va falloir le, le tester plus longuement parce que je me dis quand même ça commence à devenir gros, ça pèse quand même 17 kg C'est ça peut le faire rouler donc, tout voilà. seul. donc ça c'est un truc qui va te pergeron parce que tu peux le piloter donc excellent, ah, tu ouais, peux lui ouais. mettre ta valise et puis lui dire allez suis-moi ou en tout cas le, 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 le manipuler un petit peu comme ça avec ce ouais. smartphone pour, de pour porter bon, des, machin, des charges. Ça, ouais. bon, moi je suis déjà monté sur des machins de David euh, comme ça. Ouais. Ouais. J'essaye toujours et je finis un mur. <laughs> et moi j'aime pas ces machins. Ça, Mais lui lui est surprise stable. C'est très très stable. Deux moteurs 440 watts donc 800 watts. Elle est d'environ, elle a annoncé à environ 20 km jusqu'à 35. Donc mmh. l'autonomie c'est toujours très compliqué, ça dépend sûr, du poids, sûr, du relief, de la vitesse, etc. on devrait pouvoir tabler la vingtaine de kilomètres. Après sur le dessus il y a un petit support qui permet de mettre une caméra que je n'ai pas, avec un, un compartiment aussi pour le ranger. Donc euh, le Bluetooth pour la liaison avec le smartphone et une petite télécommande aussi que, que je n'ai pas là, mais euh, qui permet euh, effectivement cette fonction de follow me, où là carrément ce gyropode vous suit. Voilà. Mmh. Parfait. Merci beaucoup David. Merci à vous. Encore un petit coup de question Zeronet net Orange, Jérôme, avant de se dire au revoir. Je vous rappelle qu'on vous pose la question suivante sur 0 TV.com. Cette édition du CES de Las Vegas qu'on a évoquée évidemment tout au long de la semaine dernière et qu'on a aussi évoquée il y a quelques minutes, cette édition de MiliVit est-elle à la hauteur de vos attentes vous pouvez voter et voilà le résultat. Bah, Alors, toujours pareil, hein, mais... 59-41. Euh... J'ai l'impression que vous n'avez pas remis à jour la. la... Non. non, parce que moi j'ai beaucoup plus. Enfin bon, c'est pas grave, les... C'est pas vrai les gars. Moi je suis à oui, 45% et non à 55%. Ah, oui. ah, la tendance, c'est ah, bah oui, voilà, Donc la, inversée. La tendance, bon, Tu peux enlever ton truc, euh, Thomas, bon, c'est voilà. fake. Moi <laughs> <Là, rire> je vous le dis, c'est fake news. Là, ça marche. Oui, 45, non, 55. Et, oh, sur, 55, et sur 200 votes. Je pense avoir un élément de réponse pour ça. Ah, Adrien Souvent, tu as un produit phare. Ouais. CZ... J'en ai pas. Là, je t'ai parlé. Il n'y a pas on... un produit. Le, le... Je... Peut-être que l'édition 2019, je ne le dis pas souvent, mais la... va faire émerger des gros machins bien lourds parce qu'il faut le temps que certaines technologies se déploient. Bien sûr, on ne ouais, peut on pas là, avoir tous les ans un truc révolutionnaire. Et, hein, et là, possible. on a, on a déjà, comme je vous disais, à propos de la 5G, il y a un début de, 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 de colonne vertébrale de la ville connectée du futur, c'est pas du tout fin. Est-ce qu'on en a peur ou pas Est-ce qu'on l'apprécie ou pas Ça n'a rien à voir. Mmh. La 5G arrive, ça va être l'activateur des nouvelles techs. Et peut-être que sur cette base-là, il va se construire de nouvelles choses. Bah, la 5G au CES, ça va être chaud pour faire des démos. Hein. Si, le... <laughs> oui, si déjà. les réseaux sont On, a aussi dit, on parle la... de la, la 5G au CES, la 5G à Vegas, <laughs> tu peux. Non, tu mais peux euh, au Mobile World Congress, très rapidement, on a vu des, des choses avec euh, c est, c est Sony Ericsson qui prenait le contrôle d'une voiture qui était à je sais plus combien de, de, de milliers de kilomètres. Euh, Ce euh, Mobile World ouais, Congress, il va vite arriver. Un salon et face l'autre, hein, le Mobile World Congress, c'est toute fin février. Ouais. Et on peut vous dire que d'ores et déjà, on y sera à Barcelone pour vous faire vivre le grand salon dédié à la téléphonie mobile. Merci Adrien. Merci, merci Adrien, merci David. Merci à, merci à Noémie, merci à Pierre Thiolin, à Thomas Romiret. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouveau numéro de zero à la vie D'ici là, notez sur vos tablettes que mardi soir prochain, nous serons en direct de Lille pour vous faire vivre le grand salon européen de la cybersécurité. Il s'agit du FIC et nous y serons et on vous euh, parlera de toutes les dernières tendances en matière de cybersécurité. Ce yes. sera mardi prochain à 18h sur Zéro à la TV depuis Lille et puis si vous, si vous êtes euh, du côté de Lille et que vous passez par le FIC, n'hésitez pas à nous rendre visite. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien. Salut à tous.